Bonjour, je vais vous parler de ma pièce United Colors of Saxophone. Tout d'abord, je me souviens de cet appel que j'ai reçu un jour de Philippe Ferraud, le chef de l'orchestre d'harmonie de la région Centre. Il me demandait si j'étais intéressé pour composer un concerto pour quatuor de saxophone et orchestre d'harmonie. Formidable aventure, j'ai évidemment dit oui. En plus, les solistes était le formidable quatuor Diastema. Alors, j'ai commencé à réfléchir à quelle couleur donner à tout cela, et de multiples couleurs sont arrivées dans ma tête, parce que je les ai aussi dans le cœur, musique classique, musique du monde, musique contemporaine, jazz. Tout cela s'est unifié dans ce langage crossover que j'affectionne particulièrement. Et c'est pour ça que cette pièce s'appelle « United Colors of Saxophones ». Le second mouvement est un hommage, un grand hommage à Éric Devallon, ce grand saxophoniste baryton qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Je me souviens aussi avec émotion et avec beaucoup de plaisir à la période de répétition sous forme de résidence avec deux autres compositeurs, Roger Boutry et Ida Godkowski. Un formidable moment de partage où nous pouvions admirer Philippe Ferraud à la tête de cet orchestre qu'il sait motiver, qu'il sait faire travailler avec précision, et ils sont tous unis par une même motivation et beaucoup de plaisir. C'est ainsi que United Colors est né, et depuis, c'est une pièce qui est très souvent jouée dans le monde entier. Elle est éditée chez Robert Martin et elle a déjà été enregistrée sur plusieurs disques. Alors je vous souhaite bonne écoute. Thank you.
Thank you.
L'idée de présenter United Colors of Saxophone à vos oreilles fait remonter de nombreux souvenirs. Quelques mots pour resituer sa genèse. En 2006, pour fêter les 20 ans de notre quatuor, nous avions programmé une série de concerts à l'espace Chiron. 5 concerts avec 5 programmes différents et de nombreux invités. Dans cette fête, le concert dédié aux musiques du monde, nous avions programmé et beaucoup apprécié la pièce de Philippe Geis, Medina, pièce qui était dédiée à nos amis du quatuor Habanera. L'envie de nous ouvrir à de nouveaux répertoires était déjà là. Quand quelques années plus tard, Philippe Ferro nous proposa une collaboration avec l'Harmonie Région Centre, ce fut d'abord une grande joie, comme un retour aux sources, pour Philippe Braquard et moi-même, qui avions participé à l'aventure de cet orchestre quelques années auparavant. Ayant déjà créé une pièce avec Harmonie, nous voulions quelque chose de différent et l'expérience du Chiron nous orienta très simplement vers Philippe Geis. Son style crossover, comme il le décrit lui-même, nous avait déjà conquis. Le temps de l'écriture, des problèmes avaient contraint Philippe Lecoq à se mettre en retrait du quatuor. Et c'est donc avec Damien Royanet que nous avons abouti ce projet. Réécouter l'enregistrement, c'est d'abord une pensée émue à notre copain Eric, pour qui Philippe Geis a écrit une magnifique partie de baryton dans son second mouvement. C'est ensuite le professionnalisme et le sens de l'humain de son chef, Philippe Ferro. Le sérieux et toujours l'envie de cet orchestre à se dépasser, le tout dans une ambiance tout aussi conviviale que ce que nous avions vécu avec Philippe Braquard quelques années avant. Dans la grande aventure Diastema, United Colors of Saxophone a une place particulière et cette création reste un moment inoubliable. Que toutes les personnes qui ont permis sa réalisation soient vivement remerciées, et en tout premier lieu, les Philippe, Ferro et Geis, ainsi que Benoît, qui a su faire, comme à son habitude, une organisation parfaite de cette session. Tous les Diastema les remercient très chaleureusement. Thank you.